Hello, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre une jolie petite pochette zippée comme celle-ci, donc avec un petit zip sur le devant. Et sur le dos, j'ai rajouté une petite poche comme ceci. Donc cette pochette est doublée de pull pour la rendre étanche, donc comme ça, elle va être idéale pour transporter ses serviettes hygiéniques lavables toute la journée, et comme ça le soir on n'a plus qu'à tout mettre à la machine. Et puis la petite poche du coup sur le dos, je m'en sers pour mettre les SHL qui sont propres. Dans la description de cette vidéo, je t'ai mis la liste de toutes les fournitures que j'ai utilisées pour créer cette pochette. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Mondel Tissu qui a fourni tout le matériel nécessaire à réaliser ce tuto. Mais bien sûr, tu peux modifier si tu veux faire une pochette plus grande ou plus petite, hein, tu peux tout à fait modifier les dimensions. Tu peux aussi utiliser d'autres tissus si tu n'as pas besoin d'avoir une pochette étanche, tu n'es pas obligé d'utiliser du pull. Mais voilà, donc là le tuto c'était vraiment pour créer cette petite pochette, puisque j'avais eu pas mal de commentaires sur mes tutos de serviettes hygiéniques lavables concernant comment on fait quand on n'est pas à la maison pour stocker ces serviettes sales. Donc voilà, donc la solution c'est une petite pochette qu'on fait comme ça. Ici c'est vraiment discret, on n'a pas du tout l'impression que c'est des serviettes hygiéniques qu'il y a à l'intérieur, hein. Voilà, donc c'est vraiment le plus simple pour pouvoir utiliser des serviettes hygiéniques lavables en dehors de chez soi. Et donc c'est parti, je t'emmène tout de suite dans mon atelier pour créer cette petite pochette. J'ai découpé tous mes rectangles dans les différents tissus. Donc j'ai le tissu extérieur, la poche et l'intérieur en pull. On va commencer par la poche, donc je plie mon tissu en deux, envers contre envers, et je repasse ce pli pour bien le marquer. Et je vais faire une surpiqûre sur ce pli. On pourrait même faire une jolie couture décorative, mais je vais faire simple avec un point droit à 1,5 cm du bord. Voilà, donc j'ai ma poche avec sa surpiqûre et je vais le placer sur le tissu extérieur. Je trace une ligne à 16 cm du bord de mon tissu extérieur. Et je viens aligner le bord accru de ma poche sur cette ligne, comme ça. Donc c'est pas le bord qui a le pli, c'est l'autre côté. J'épingle. Et je vais faire ma couture à 1 cm du bord. Ensuite, je vais rabattre ma poche de l'autre côté. Je repasse bien. J'épingle la poche sur les côtés. Et je vais la bâtir pour que ça reste en place pendant les autres étapes. Donc je vais juste faire un point large à la machine à coudre à 1,5 cm du bord. Voilà, donc là j'ai la poche qui est formée. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attacher ensemble la partie extérieure avec le pull et le zip. Donc je pose mon zip à plat et sur le haut ici, je viens épingler mon tissu extérieur endroit contre endroit. L'important ici, c'est que quand on retourne, on a bien l'endroit du tissu extérieur et la fermeture qui est à l'endroit. Donc si le zip il est à l'envers, c'est qu'on s'est trompé, donc il faut épingler dans l'autre sens. Je retourne l'ensemble et j'épingle le pull avec la partie plastifiée contre le zip. Et je vais faire ma couture ici en étant la plus proche possible de la fermeture. Donc je change mon pied par le pied spécial fermeture à glissière. Et voilà, donc là j'ai ma fermeture qui a été prise en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure en pull. Ensuite, on va plier le tissu extérieur en deux et aligner le bord du tissu sur l'autre bord de la fermeture éclair.
et on va faire pareil avec la partie en pull. Donc ça va nous donner ça, deux poches séparées. Donc d'un côté on a la partie extérieure, de l'autre le pull et au milieu on a la fermeture éclair. Et je vais coudre ça comme tout à l'heure. Voilà, donc les deux côtés de la fermeture éclair sont cousus, donc je l'ouvre et je retourne la pochette sur l'endroit. J'étire bien le tissu pour bien aplatir les coutures au niveau de la fermeture éclair. Ici, on ne peut pas utiliser de fer à repasser parce que sinon le pull va fondre et la pochette ne sera plus étanche. Donc il faut vraiment presser du mieux possible avec les doigts. Ensuite, je vais baser le bas de ma pochette sur le bas de ma poche extérieure. Donc la fermeture sera un peu décalée comme ceci. Elle ne sera pas centrée sur la poche. Donc j'ouvre la fermeture éclair et je retourne tout sur l'envers puisqu'on va coudre sur l'envers. Donc je replie bien à nouveau sur le bas de ma poche et j'épingle les deux côtés. Donc au niveau de la fermeture éclair, il faut bien épingler les deux bouts côte à côte. Et je fais ma couture à 1 cm du bord au point droit. Je surfile le bord à la surjeteuse, tu peux aussi faire un zigzag tout au bord du tissu à la machine à coudre. Il ne reste plus qu'à tout remettre sur l'endroit en repoussant bien les coins. Et voilà, ce tuto est terminé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu s'il t'a plu. Et n'oublie pas de partager des photos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Vanessa Salin pour que je puisse les voir. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt !